Bonjour à tous, bienvenue à cet événement hybride du Hub Francia. Le Hub Francia est une association à but non lucratif dont l'objectif est d'aider ses membres à faire le meilleur usage possible de l'IA, quel que soit leur niveau de maturité. Pour agir dans ce sens, le Hub a trois moyens, dont l'un est l'animation de groupes de travail. L'autre est l'éducation, l'acculturation à l'IA. Enfin, le troisième moyen, c'est l'organisation d'événements, de rencontres pour que les gens se connectent, et notamment au niveau européen, puisque le Hub a aussi pour mission de contribuer à créer une IA européenne qui puisse constituer une alternative aux solutions dominantes. Alors, les groupes de travail, il en existe des thématiques par secteur et on a aussi des groupes de travail support, ceux qui vont faciliter de manière transversale l'appropriation de l'IA. Et il y en a un qu'on aime tout particulièrement, c'est le groupe de travail ressources humaines. En effet, il est essentiel que les ressources humaines comprennent bien ce qu'est l'IA pour accompagner leurs collègues des directions métiers et l'ensemble de la structure dans ce changement et dans l'appropriation de l'IA. Et c'est pourquoi on a pris le parti de mettre tous nos efforts sur ce groupe et aussi donc de s'occuper de l'IA pour les RH, Learning by Doing. C'est en utilisant eux-mêmes l'IA que les RH vont pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe. Je n'en dis pas plus et je passe la parole à Camille Souillard, qui est au Francia et donc pilote de ce groupe de travail et qui est donc dans l'espace digital. Camille, je te laisse la parole. Merci Gaëlle. Bonjour à tous. En effet, je suis ravie de partager cet événement avec vous, ce premier rendez-vous IA et RH de l'année 2022 et qui va en accueillir de nombreux autres par la suite. Donc pour ce lancement, on accueille Isabelle Rouen qui va nous parler de son dernier ouvrage Emploi 4.0 que vous allez pouvoir acheter si vous le souhaitez. On va vous mettre le lien dans le chat. Et justement, pour ce qui est de ce chat, vous allez pouvoir réagir en direct avec les intervenants. Et si vous avez des questions, il y a un onglet dédié à cela qui s'appelle tout simplement « Questions ». Donc, je vous invite à vous poser ces questions directement dans cet onglet pour que ce soit plus simple à suivre pour nous. Et je laisse la parole à nos intervenants. Merci et bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Camille. Voilà, donc nos intervenants, comme tu l'as dit, Isabelle Rouen et de l'autre côté, le colonel Patrick Perrotte, membre du groupe RH, et que nous sommes ravis d'avoir là comme animateur et partenaire de cette discussion avec Isabelle. Patrick, Isabelle, la place est à vous. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci, Gaëlle. Merci, Camille. Bonjour Isabelle. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et tous. Très heureux en effet de pouvoir animer au nom du groupe IARH cette journée thématique et très heureux d'accueillir Isabelle Rouen, que je ne manquerai pas de présenter. Et ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, c'est de dire comment fonctionne ce groupe IARH au sein du Hub Francia. Alors c'est un groupe qui existe depuis maintenant presque 9 mois. On se rencontre mensuellement. Il est constitué de grands groupes industriels, il est constitué de start-up, il est constitué d'institutionnels comme la Gendarmerie nationale, parce qu'effectivement, c'est par le mélange d'expériences qu'on arrive à comprendre comment fonctionne l'IA dans ce domaine si particulier que sont les ressources humaines. Alors globalement, on s'attache aux différentes macro-fonctions des ressources humaines, que ce soit la gestion, que ce soit le développement, que ce soit le pilotage des ressources humaines. Et dans chacune de ces macro-fonctions, on se pose la question de quelles applications l'IA pourra améliorer. Ça s'intéresse à l'adaptation managériale, ça s'intéresse à la gestion des talents, ça s'intéresse au recrutement, à l'expérience collaborateur. Et l'idée pour nous, c'est de diffuser mensuellement nos expériences pour, in fine, constituer potentiellement un livre blanc qui vous sera proposé, mais déjà, chaque mois, vous pourrez retrouver sur le site du Hub les résultats des différents travaux. Alors, Isabelle, on est très heureux de vous recevoir parce qu'effectivement, vous venez de sortir
l'ouvrage Emploi 4.0. Tout à fait, merci pour cette invitation, c'est moi qui suis très heureuse d'être là. Qui est donc paru, qui paraît aux éditions Adlan. Vous êtes dirigeante, entrepreneur de Colibri Talent, qui est effectivement un cabinet de recrutement de dirigeants. Et vous travaillez dans le domaine de la tech, dans le domaine de la data science, dans le domaine des systèmes d'information, et vous participez à la transformation numérique des grands groupes, des entreprises, depuis maintenant, en 2017. Je rappellerai que vous avez cofondé et que vous présidez l'Observatoire des métiers du futur. Peut-être que cet observatoire a inspiré votre premier ouvrage, parce que vous rééditez, vous avez déjà publié un premier ouvrage qui s'intitulait « Les métiers du futur ». Alors, je ne peux que souligner votre engagement aussi au sein de la réserve citoyenne du ministère des Armées, au sein de l'armée de terre. Et effectivement, cet engagement est important pour les armées. Alors, ce que je vous propose, peut-être, c'est une question très simple pour débuter. Très simple pour poser la question, peut-être pas pour y répondre. C'est pourquoi ce titre, Emploi 4.0 ? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, et pour la biographie aussi, je vais aussi compléter parce que j'ai également, je suis l'autrice d'un podcast qui s'appelle Les métiers du futur. C'est-à-dire que tout le parcours que j'ai eu, effectivement, aujourd'hui, depuis 2017, l'idée, c'est vraiment d'impacter positivement ces sujets de futur du travail et du futur de l'emploi. Donc, il y a vraiment un écosystème entre les livres, l'observatoire, le cabinet de chasse de tête, qui est mon vrai métier, entre guillemets, celui dont je vis, et les interventions qu'on peut faire comme celle-là. Alors, pourquoi j'ai appelé ce second livre, Emploi 4.0 ? Parce qu'en fait, l'humanité, elle a traversé quatre transformations profondes du travail au cours de ces deux derniers siècles, et toutes sont basées sur des révolutions technologiques. Alors, la première, je ne vais pas vous faire un long cours d'histoire des matins, ce n'est pas le jet, mais la première révolution technologique, c'est la révolution de la machine à vapeur, qui concrètement a déclenché l'exode rural et le début de l'industrialisation. La deuxième révolution technologique, c'est la révolution de l'électrification. Donc là, on est au début du XXe siècle, et là, ça va créer ce qu'on appelle le travail à la chaîne. La troisième, elle est plus récente, c'est dans les années 70 à 2000, c'est l'émergence de la micro-informatique. Et cette émergence de la micro-informatique, elle va déclencher la tertiarisation de l'économie. Et la quatrième, eh ben c'est celle qui nous occupe en ce moment et qu'on vit, je dirais, depuis le début des années 2010, c'est la révolution justement de l'IA qui crée ce que j'appelle justement dans le livre ces fameux emplois 4.0. Donc la réflexion du livre, c'est vraiment comment l'IA impacte l'emploi et le travail. Parce que par rapport à mon premier ouvrage qui date de 2019 et j'ai écrit en 2018, c'est passé un truc entre les deux. On appelle une pandémie, et qui a un impact. On ne peut pas réfléchir au métier sans avoir en plus une réflexion sur l'emploi. Donc, c'est pour ça, effectivement, que j'ai voulu reprendre la plume et aller un pas plus loin, creuser encore plus l'IA d'un côté, et effectivement, avoir une dimension emploi de l'autre plus importante. Merci. Alors, c'est vrai que cette idée d'emploi 4.0 nous interroge aussi au sein du groupe, parce que le 4.0, on voit qu'aujourd'hui, notre société évolue quand même au rythme des évolutions du web. Vous avez cité 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 aujourd'hui, avec cette émergence des objets connectés, le 4.0, qui n'est pas encore tout à fait mature encore, mais c'est une forme d'hybridation entre l'humain et les objets connectés, une forme d'hybridation entre les mondes virtuels et les mondes réels. Et je crois que ce que nous travaillons au sein du groupe, c'est effectivement de ne pas subir. C'est-à-dire que on pense que les mondes virtuels, hein, aujourd'hui, vont se développer de plus en plus. On a de plus en plus d'objets connectés autour de nous. On n'aura peut-être pas le choix de les utiliser ou pas. Et si on n'a pas le choix, je crois qu'il ne faut surtout pas les subir. Et donc, pour ne pas les subir, il faut les appréhender et voir comment ils peuvent effectivement au mieux nous aider dans la fonction RH. C'est ce que nous essayons de travailler au sein du groupe. Alors, intelligence artificielle, ressources humaines, ça peut paraître assez antinomique. Parce que d'un côté, on a la machine, de l'autre côté, on a l'humain. Et c'est vrai qu'on peut se poser un certain nombre de questions autour de ces notions. Alors, vous avez commencé à l'aborder, mais est-ce que vous pouvez rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur qu'apportera l'intelligence artificielle dans ce domaine si précis et si large à la fois des ressources humaines ? Alors, ce que va amener l'intelligence artificielle dans le domaine des ressources humaines, enfin déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'IA est absolument nécessaire
aujourd'hui pour appréhender les ressources humaines. Pourquoi ? Parce qu'on a un très grand volume de candidatures qui peuvent arriver sur des postes. On a des sujets de mobilité qui parfois se font à l'échelle dans des entreprises ou dans des organisations. C'est notamment le cas des armées, c'est moi ce qui m'a passionné. J'ai découvert que l'armée faisait évoluer autant de personnes de métier chaque année. Donc, vous avez besoin d'IA pour traiter tout ça. Mais plus on met de l'IA dans un process, plus on a besoin, entre guillemets, de remettre aussi l'humain. Ce qui peut être assez paradoxal. Hein. C'est ce qu'on voit dans l'expérience client, par exemple. Je prends un exemple sur ce qui se passe dans le secteur des banques. Secteur des banques, vous avez des gens qui sont en charge du tout ce qui est SAV, expérience client. En fait, vous pouvez en automatiser grosso modo 45% des requêtes. Les requêtes qui peuvent être traitées par un chatbot, qui peuvent être traitées par des rubriques de questions fréquentes. Et ça, c'est des problématiques standards. Et dans 55% des cas, c'est une étude qui a été faite par IBM, vous allez avoir besoin d'un humain pour pouvoir, en fait, régler un problème qui est atypique. Et ce qui est intéressant dans cette démarche-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont formé les opératrices et les opérateurs qui s'occupent effectivement de traiter les requêtes. Ils ont regardé un triple taux de satisfaction. La satisfaction client, elle a monté, parce qu'en fait, quand on a une requête simple, elle est traitée vite. Quand on a une requête standard, elle est traitée rapidement. Mais quand on a un truc complexe, on va pouvoir s'adresser à un humain qui a vraiment réglé le problème. Les banques, elles ont formé les opérateurs qui font ça à faire plus de ventes additionnelles, donc créer plus de valeur pour l'entreprise. Et enfin, l'opérateur s'y retrouve aussi parce qu'il a une tâche plus intéressante. Et tout ça pour dire, en fait, que l'impact que l'IA va avoir sur le travail, après on viendra au RH, mais l'impact que l'IA a sur le travail, c'est principalement un impact qui est lié à l'automatisation. C'est vraiment ça qui change aujourd'hui le travail. C'est-à-dire que la moitié des heures travaillées en France est automatisable d'ici 2022. C'est un chiffre de McKinsey, c'est absolument colossal. Mais ça ne veut pas dire que la moitié des emplois vont disparaître. Heureusement, 5% des postes pourraient être totalement supprimés. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que ce qu'on automatise, c'est toujours quelque chose de répétitif. C'est souvent quelque chose de pénible. Après, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage? Qu'est-ce qu'on fait des 60% des cas où les métiers sont partiellement impactés? Et c'est là où on va retomber aussi sur des enjeux de RH, des enjeux de formation, des enjeux de montée en compétences. Et là, il y a beaucoup de défis. Bah, effectivement, c'est une des parties aussi qui est abordée dans ce groupe. C'est comment accompagner, en fait, cette destruction créatrice de l'économiste, hein, Joseph Schumpeter. Parce qu'effectivement, on sent bien que l'IA immerge aujourd'hui nos emplois au quotidien, immerge la fonction RH. On peut se poser la question, mais vous avez commencé à y répondre, quels sont les métiers qui seront les plus impactés? Vous avez parlé des métiers les plus automatisables, les tâches chronophages et répétitives. On s'interroge au sein du groupe aussi sur la sphère managériale, sur la sphère décisionnelle, est-ce que selon vous, elle sera également impactée par ces aspects-là? Oui, alors tous les métiers vont être impactés, effectivement, déjà tous les métiers automatisables, qui peuvent être des métiers très qualifiés comme celui d'avocat ou celui de trader, ou des métiers moins qualifiés comme celui d'autres de test de caisse. Ça, ça touche tous les secteurs. Ça aussi, c'est une révolution qui est très, très différente. Moi, par rapport aux autres, c'est le fait que ce soit transsectoriel. Je ne suis pas plus maligne que les autres, je viens du secteur des médias, qui en fait, avec celui de la musique, est un de ceux qui ont été révolutionnés par l'IA beaucoup plus tôt que les autres. Donc, ça c'est la première chose. Après, effectivement, au niveau du management, ce qu'on voit, enfin, moi, ce que je vois dans les études que je fais et dans les discussions que je fais avec les entreprises, c'est un impact particulièrement sur le management intermédiaire. C'est-à-dire que les dirigeants, ils ont vraiment besoin, plus on est dans des situations complexes comme aujourd'hui, plus on a besoin d'avoir des dirigeants qui gardent le cap, qui ont une gouvernance qui soit la plus droite possible, la plus visionnaire possible, qui anticipe les crises et qui fait évoluer les modèles économiques. Là où c'est plus compliqué, c'est sur le niveau de management, intermédiaire. On se rend compte, particulièrement avec l'hybridation du travail et avec des gens qui se voient 40% du temps aujourd'hui, parce qu'on est quand même en télétravail 3 jours par semaine, le management intermédiaire a parfois un peu plus de mal à trouver sa place. Et je ne sais pas si c'est un effet IA ou si c'est un effet de la pandémie et de l'accélération de la distanciation qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient au travail, quand on vient physiquement au bureau, c'est pour interagir avec d'autres personnes, c'est pour co-créer et pas pour faire des Zooms, des Teams, des... Non, c'est effectivement ce qu'on retrouve dans cet ouvrage, Emploi 4.0. J'ai eu la chance d'en lire quelques passages et c'est extrêmement intéressant. Et j'y retrouve les motivations pour lesquelles la gendarmerie est rentrée dans ce groupe IA et RH. C'est parce que la volonté était
d'échanger, de partager et d'améliorer les processus. Échanger parce qu'il y a une obligation de transparence sur la question des ressources humaines et de l'intelligence artificielle, parce que le personnel s'interroge sur ce qu'on va faire avec cette intelligence artificielle. De partager, parce qu'effectivement, on met en place un certain nombre d'expérimentations, on met en place un certain nombre d'outils. Dans peu de temps, on présentera notamment en cas de l'expérience collaborateur, ce qu'on a fait au niveau de la mise en place d'un chatbot au profit de nos personnels en matière de ressources humaines. Donc on voit qu'effectivement, il est important de partager ces expériences et je soulignerai que ce groupe IA et RH est encore ouvert, c'est-à-dire que vous qui êtes devant nous, vous qui êtes effectivement en distanciel, si vous souhaitez rejoindre ce groupe, n'hésitez pas effectivement à contacter Camille, à contacter Gaël, parce qu'on croit beaucoup à cette idée d'expérience et d'échange entre nous pour essayer d'améliorer nos processus. Alors, le métier, l'emploi, mais la fonction RH, comment cette IA pourrait être diffusée très pratiquement et dans quelles fonctions des ressources humaines? Alors, clairement, ça va changer aujourd'hui le métier du DRH et le métier du consultant RH, ça va changer de deux façons. Ça change d'une part parce que, comme on l'a commencé à dire, on peut automatiser certaines choses dans les recrutements, dans la mobilité, dans les souhaits d'évolution. Ça demande aussi d'être extrêmement vigilant parce qu'il y a un sujet de biais cognitif qu'il faut avoir complètement en tête. Hein. Dans le recrutement, par exemple, il faut savoir que 80% des CV sont biaisés. Et on est tous biaisés et c'est pas dramatique d'être biaisé. Ce qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est quand ces biais-là sont inconscients. Ce qui est encore plus ennuyeux, c'est quand ces biais-là sont déployés à très grande échelle pendant parmi. Je cite un exemple malencontreux qui est arrivé notamment à Amazon, qui a créé une IA pour trier les candidatures qui leur arrivaient, candidatures fort nombreuses, et qui a éduqué cette IA sur les profils des collaborateurs qu'ils avaient déjà embauchés. Parce que toute IA doit être, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais toute IA doit être éduquée sur des bases de données. Or, il se trouve que leur base de données était biaisée, puisque l'entreprise avec beaucoup d'ingénieurs, c'était une entreprise qui était notoirement masculine dans ses collaborateurs actuels. Et du coup, l'IA en est venue à discriminer très rapidement les profils féminins qu'elle ne retenait pas. Donc, ça pose un vrai sujet. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'Amazon s'en est aperçu très vite, a débranché très vite cette IA-là, et du coup, a fait nécessaire, mais on peut se retrouver dans des situations très complexes. Il y a des solutions aussi pour éviter ça. Je tiens à saluer notamment une solution française qui s'appelle GoShava, qui a été cofondée par une fille formidable qui s'appelle Camille Morvan, et qui, par exemple, fait de la gamification dans les processus de recrutement. Donc, en fait, met en scène des interactions dans le processus de recrutement de façon à évaluer les candidats de manière objective sur les compétences et les savoir-être et les savoir-faire, ce qui permet du coup d'avoir dans les CV sélectionnés des gens qu'on a mis en scène et du coup de lutter contre ces biais. Et c'est très utile quand on a une grande volumétrie de candidatures à traiter. Je crois que L'Oréal le fait, McDo se sert aussi au Shava. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lutter contre les biais, ils ont aussi laissé à chaque entreprise le choix de pondérer chaque jeu et chaque question de façon à ce qu'on n'ait pas quelque chose d'absolument identique à chaque fois dans les profils retenus. Donc, c'est deux exemples concrets. Mais c'est vrai que ce qu'il faut avoir en tête sur l'évolution après des RH, l'autre sujet, c'est que ça demande un coaching et un rôle de, on va dire, visionnaire du RH beaucoup plus important qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. La transformation, ça fait peur. Ça peut angoisser les gens. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que le RH ou le DRH soit beaucoup plus moteur et rassurant pour faire évoluer les gens en termes de compétences. Moi, je pense qu'un métier, ça n'est jamais qu'un portefeuille de compétences. On n'aura pas le même métier toute vie. Ça aussi, il faut vraiment l'avoir en tête. Hein. Il y a des chiffres différents qui circulent sur le sujet. C'est un chercheur qui s'appelle Bob Keegan aux États-Unis qui dit qu'on aura 6 métiers et demi dans toute sa vie. Le World Economic Forum, il parle de 9 métiers. Moi, je ne sais pas où est la vérité. Je sais qu'à 45 ans, je suis à 7 métiers. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que du coup, le sujet, c'est plus l'emploi à vie et l'employabilité à vie. Et donc, il y a un vrai rôle, d'une part, des RH et des dirigeants et des managers de faire prendre conscience de ça aux collaborateurs, parce que chacun est responsable de son employabilité. Et puis, il y a un rôle d'accompagnement, effectivement, pour pouvoir arriver à faire bouger les lignes. Moi, c'est pour ça que je fais ce type de conférence ce matin, que je fais des livestreams, que j'écris des bouquins, que je fais des podcasts, juste pour impacter positivement et transmettre
effectivement ce message-là pour que chacun soit acteur de son employabilité. Et le dernier point qui change dans le métier des RH, c'est qu'en fait, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, je pense qu'elle va se faire de manière beaucoup plus fluide. Le DRH va avoir quelque part la responsabilité de se dire quelles compétences je dois garder à l'intérieur de l'entreprise, qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui est cœur de métier, et ça, il faut que ce soit les salariés de l'entreprise qui le portent, qu'est-ce que je peux externaliser, peut-être auprès de freelance, peut-être auprès de sous-traitants, et ça, ça doit être beaucoup plus fait qu'auparavant, et ça impacte très fortement les modèles économiques des entreprises. Donc, il y a une réflexion prospective à avoir sur quelles compétences je dois avoir à l'intérieur de l'entreprise et quelles compétences je laisse à l'extérieur ou j'achète à l'extérieur. Alors vous avez effectivement abordé beaucoup de points hein, dans la réponse à votre question. Cet aspect visionnaire, effectivement, du DRH, et c'est vraiment ce qu'on en gendarmerie, c'est assez étonnant par rapport à tout ce que vous dites, mais bon, le domaine des ressources humaines a été précurseur en matière de transformation numérique, en matière d'intégration d'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, la direction du personnel militaire au sein de l'institution, c'est être visionnaire et les pieds dans la réalité. Et je crois que c'est vraiment ce qui doit conduire aujourd'hui la fonction de nos dirigeants RH. Alors, nous, on utilise, hein, vous avez parlé des savoir-être, des savoir-faire, on parle aussi donc des hard skills, des soft skills, et maintenant des mad skills, pour parler de compétences un peu plus exotiques. Et c'est ce que nous essayons de travailler également, parce que ce sont des points qui sont essentiels de façon à permettre le meilleur épanouissement du personnel. Et en fait, l'idée sous-jacente chez nous, c'est de se dire comment est-ce que chaque personnel peut être plus encore propriétaire de son évolution de carrière, des formations qu'il pourrait éventuellement engager, et que ça corresponde aussi à son savoir-être et pas seulement à son savoir-faire. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye effectivement de développer. Et le groupe hein, de IA et RH ben, travaille sur ces différents volets. Et là aussi, chaque mois, vous verrez paraître un peu le résultat de ces études. Et il y a une démarche qui guide aussi la gendarmerie dans les travaux en matière d'IA et de ressources humaines, c'est la simplification administrative. C'est-à-dire qu'on veut un peu simplifier les process, on veut un peu simplifier les tâches effectivement répétitives. Et je crois que cette notion simplificative, elle est aussi au cœur de l'idée d'intégrer l'intelligence artificielle dans les processus de ressources humaines. Et vous avez souligné un point extrêmement important, les biais. Et je voudrais quand même dire que le biais est d'abord une notion humaine. Et je crois que ce qu'on essaye de travailler, nous, c'est plutôt l'intelligence artificielle pour détecter les biais, pour corriger les biais, parce qu'elle n'est pas que génératrice de biais, elle est souvent plus révélatrice de biais et elle peut nous permettre de corriger un certain nombre de biais, comme vous l'avez dit, conscients, inconscients. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on se rend compte que les biais, on les corrige par d'autres biais. C'est-à-dire quand on rend des bases plus équitables, parfois on les déforme de la réalité, mais avec ce souci d'être plus équitable. Et je crois que ce qui est important derrière, c'est qu'effectivement, ça ne porte préjudice à aucune catégorie de personnes. Je crois que c'est ça l'essentiel. C'est très important et je voudrais citer du coup deux bonnes pratiques que moi je trouve très utiles en recrutement. La première, c'est une bonne pratique que j'ai personnellement expérimentée dans les GAFA. En l'occurrence, je suis une ex-collaboratrice Facebook, mais je crois que ça se fait dans d'autres entreprises des GAFA. Vous ne pouvez pas faire passer un entretien de recrutement si vous n'avez pas eu vous-même une formation sur vos propres biais cognitifs inconscients. C'est obligatoire. Et je trouve ça très malin, parce qu'effectivement, ça permet de conscientiser ses biais. Et donc, concrètement, quand vous avez un process de recrutement chez Facebook, vous avez cette formation quand vous êtes intervieweur, vous avez cette formation sur les biais inconscients. Et ensuite, on vous demande, les entretiens sont découpés répartis peut-être en 8 ou 9 intervieweurs. Et en fait, vous avez, vous, chaque fois, à poser 3 questions seulement au candidat. Vous avez une demi-heure d'entretien avec lui. Et vous tournez autour de ces 3 questions. Et derrière, vous faites un compte-rendu dans un outil. Et vous dites, voilà, je pense que sur ces questions-là, le candidat ou la candidate a tel et tel type de réponse. Je suis confiant dans mon jugement. Et ça permet d'avoir une décision qui est collégiale, puisque les seules personnes qui voient l'intégralité des réponses, c'est le recruteur et le futur manager. Et ça permet en fait de creuser différents points de manière dépiaisée et équitable. Après, l'inconvénient de ça, c'est que ça peut donner une expérience candidat un peu bizarre, parce que parfois, pour des questions d'agenda, vous tombez sur un intervieweur qui vous pose la question 18, 19 et 20,
et vous ne comprenez pas pourquoi on rentre par là dans le processus de recrutement. Et la deuxième chose que je fais, alors là, c'est plus un choix personnel. Moi, je me teste régulièrement sur mes propres liens inconscients. Je fais ça avec un projet qui est fait par Harvard, qui s'appelle le projet Implicite, que je vous engage tous à le faire. Camille, tu peux peut-être mettre le lien dans le chat. En fait, Harvard fait ces tests sur différents biais inconscients. Est-ce que j'ai tendance à privilégier tel ou tel type de personne en fonction du genre, en fonction de la corpulence, en fonction de la consonance du nom? Et ça permet de se rendre compte qu'en fait, on a tous des biais. Et moi, je fais un test tous les 15 jours. Pourquoi? Parce que je passe ma vie à faire du recrutement. Et si moi, en début de process de recrutement, je commence déjà à être biaisée sur les gens que je mets dans le process, qu'est-ce qui va se passer à la fin, une fois qu'il y aura eu tous les clients qui sont par ailleurs très ouverts et très conscients de tout ça, mais on cumule une série de biais quand même, à un moment ou à un autre. Donc, je pense que c'est très important. Et c'est vrai que c'est plus un sujet de conscientisation des biais qu'un sujet d'IA, parce que comme vous l'avez très justement souligné, l'IA parfois permet de mettre le doigt dessus et triturer la base, fait parfois sortir des énormités. Et effectivement, et je crois qu'il faut aussi, on n'a pas oublié que les biais, c'est notre richesse, c'est notre diversité. Une société sans biais, c'est une société de club. Donc, vraiment, travaillons sur ces biais et surtout qu'ils ne portent pas préjudice à certaines catégories de personnes, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans l'évolution de carrière, que ce soit dans l'accès à la formation. Et parler des biais, c'est intéressant parce que ça permet d'enchaîner assez facilement avec la question suivante, c'est les craintes que peut générer l'intelligence artificielle. Et je crois que la première des craintes, bien souvent, c'est la perte de l'emploi. Alors, quelle est votre vision de cette crainte? Est-ce qu'elle est objective? Est-ce qu'elle est subjective? Alors, elle est très objective, elle est très schumpeterienne, c'est-à-dire que je suis convaincue, et on l'a mesuré, que l'IA, le digital, crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. Alors déjà, sur la partie la peur, elle est réelle, et là aussi, elle est quantifiée. L'Union européenne a quantifié que 72% des travailleurs européens, c'est colossal, hein, 72% ont peur de se faire voler leur emploi par un robot. Ils en ont peur. Donc ça c'est quand même quelque chose contre lequel il faut lutter. Je vous raconterai une belle histoire de robots qui justement ne volent pas des emplois mais sauvent des vies. Mais au-delà de ça, effectivement, l'IA crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. L'Institut Eurostat, qui est l'équivalent de l'INSEE au niveau européen, démontre que d'ici 2025, on va avoir 15 millions de créations d'emplois à l'échelle européenne du fait de l'IA et du digital, et en parallèle 6 millions de destructions. On voit assez vite que quantitativement, la balance, elle est positive. Par contre, le sujet, c'est d'arriver à proposer aux 6 millions de gens qui sont concernés par la destruction d'emplois une reconversion qui soit valable dans leurs compétences, dans lequel il y a de l'emploi et dans leur bassin de l'emploi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un sujet géographique dans tout ça. On est des êtres, même s'il y a du télétravail, il y a des gens qui travaillent physiquement. Et aujourd'hui, la mobilité pour changer d'emploi, elle est 30 km en France. En moyenne, c'est pas beaucoup, et dans certaines régions, dans le bassin minier, dans le nord, elle est de 11 km. Donc il faut aussi avoir ça, c'est qu'il y a un enjeu territorial qui est extrêmement fort. Et pour en revenir à la destruction créatrice, il y a effectivement des endroits dans le numérique où aujourd'hui les postes ne trouvent pas preneur du fait d'un déficit de compétences. Il manque 80 000 personnes dans l'économie numérique, 80 000 postes chaque année qui ne trouvent pas preneur du fait d'un déficit de compétences en France, c'est quand même un peu dommage. Et à l'échelle européenne, c'est 900 000 codeuses et codeurs qui manquent. Donc, il y a une espèce de boulevard là sur ces métiers-là du numérique qui est à saisir. Et le deuxième boulevard, c'est sur les métiers du soin, les métiers de l'accompagnement. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour être data scientist. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, la donnée. Mais plus on remet de la technologie et plus on a besoin d'accompagnement. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les banques. Mais au-delà de ça, on manque de gens pour s'occuper de nos enfants. On manque de gens pour s'occuper de nos aînés. On manque de gens pour s'occuper de nos clients. Donc, il y a là encore des opportunités qui sont extrêmement fortes. Et ça rejoint effectivement ce sur quoi nous travaillons, hein, c'est anticiper cette disparition potentielle de certains emplois. Et anticiper, ça veut dire se préparer, comme vous l'avez dit, à reformer un certain nombre de personnels, préparer l'acceptation aussi au sein de l'entreprise de la destruction des emplois pour un certain nombre, qu'on espère assez minoritaire, mais ce n'est pas très grave s'ils disparaissent pour recréer quelque chose. C'est simplement qu'il faut accompagner le personnel dans cette création. Et un point auquel on est extrêmement attentif, c'est que quand on fait évoluer les emplois, même sans aller jusqu'à la destruction, c'est
qu'est-ce qu'on met à la place? Parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, ça libère du temps. Mais on a parfois un certain nombre de nos personnels hein, qui, à la fin de la journée, ont accompli peut-être des tâches chronophages, répétitives, mais qui ont fait quelque chose. Et c'est peut-être de dévaloriser que d'enlever tout cet aspect-là. Donc cette notion de valorisation du personnel est aussi un enjeu, je pense, considérable. Tout à fait, de valorisation du personnel et de donner du sens à tout ça. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut protéger les gens. Pas forcément les emplois, mais protéger les gens. C'est vraiment ça le sujet. On parle de personnes, quand on parle de ressources humaines, on parle d'êtres humains qui ont envie, qui ont droit, qui doivent pouvoir travailler sereinement près de chez eux, dans un emploi qui a du sens et qui a une finalité. Donc, s'il y a moins d'hôtes et d'hôtesses de caisse, c'est pas très grave. Ce qui est dramatique, c'est si on leur propose pas un autre boulot, peut-être par exemple du conseil dans les conseils clients dans les rayons. Un exemple que j'aime beaucoup citer justement sur le sens, c'est une initiative qui a été prise par le Centre Hospitalier Universitaire de Montréal. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer dans le deuxième bouquin un professeur de médecine qui s'appelle Fabrice Brunet, qui est un Français, et qui lui a décidé d'automatiser une seule tâche dans son hôpital, qui est le fait de pousser des chariots. Il a supprimé l'emploi de magasinier. Il s'est dit, voilà, c'est pénible, c'est répétitif, je crée une autoroute des robots sur 26 étages et je supprime l'emploi de magasinier. Il n'a pas licencié les magasiniers, il les a tous gardés. Il en a transformé 5% en agent de contrôle qualité des robots, pour les remettre dans le droit chemin, et il en a transformé 95% en logisticiens. Et donc, en leur demandant de répartir dans les étages, les articles qui étaient amenés par les robots, tâches qui avant étaient effectuées par les soignants. Et l'indicateur de succès qu'il a regardé, c'est le taux de guérison des malades et c'est leur vitesse de sortie. Et les deux se sont améliorés parce qu'il a rendu du temps de soignants disponible. Donc c'est vraiment cette pensée-là de pourquoi est-ce que j'automatise quelque chose, qu'est-ce que j'essaie d'automatiser, qu'est-ce que j'essaie de ne pas automatiser et qu'est-ce que derrière je propose comme projet aux gens dont effectivement peut-être que la tâche va disparaître, mais eux, ce n'est pas forcément nécessaire de les faire disparaître du paysage, voire c'est indispensable de les garder. Donc c'est cette vision-là qui est importante. Et effectivement, je crois que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que transformer les emplois, faire évoluer les emplois, c'est aussi parce que des fois, on a des emplois qu'on ne choisit pas, c'est aussi prendre en compte ce qu'on appelle les soft skills qu'on a évoqués, le savoir-être, et puis permettre aux gens de s'épanouir dans un nouveau métier. Et donc, prendre en compte ce savoir-être pour effectivement leur permettre de retrouver une nouvelle motivation. Est-ce que vous avez souligné un sens à l'action? Je crois que c'est essentiel, donner du sens effectivement à ce que nous faisons. Et puis si je peux rebondir sur ce sujet de compétences, il y a un sujet d'obsolescence accélérée des compétences, mais uniquement des compétences techniques. C'est-à-dire que les savoir-faire, ils se périment beaucoup plus vite qu'avant. C'est l'OCDE qui a démontré qu'un savoir-faire avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70, et aujourd'hui a une durée de vie de 12 à 18 mois, et demain en 2025 aura une durée de vie d'un an. Donc c'est très compliqué de capitaliser sur ces savoir-faire, parce que ça veut dire qu'il faut se reformer en permanence. Donc, il y a du coup une nécessité, effectivement, d'être beaucoup plus agile, et beaucoup plus en formation permanente. Et par contre, à l'inverse, les savoir-être, les fameuses soft skills, elles se modifient avec le temps. Donc, ça veut dire qu'il y a une prime à la séniorité, ça veut dire qu'il y a une prime à l'expérience, et que le leadership, la capacité à parler en public, la capacité à faire travailler des gens ensemble, la capacité d'apprendre à apprendre, qui est probablement la soft skill la plus importante dans ce monde aussi incertain et en mouvement que celui dans lequel on vit, et bien ces capacités-là, il faut les cultiver toute sa vie et elles ont tendance à se bonifier, à s'améliorer avec le temps, donc il y a une prime à l'expérience. Très intéressant cette vision positive de l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, on est parti des craintes, mais on voit bien que l'intelligence artificielle apporte du positif, effectivement, dans l'évolution de nos emplois. Et je vais rester dans le domaine des craintes, parce que l'IA a besoin de données. On a peur des fois aux atteintes aux libertés individuelles. On a peur à la protection de données à caractère personnel. Les ressources humaines exploitent des données à caractère personnel. Quelle est votre vision sur le sujet, sur ce plan éthique? Comment préserver nos personnels, nos salariés par rapport à cet enjeu de protection de leurs données à caractère personnel? Parce qu'on parlait des savoir-être, mais le savoir-être, ça peut être une donnée presque intime. Jusqu'où faut aller sur ces sujets? Alors, c'est un vrai sujet, et il y a deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, les données qu'on utilise dans un cadre légal RH, et il y a l'aspect des données qui peuvent fuiter, ce qui est un deuxième sujet. Déjà, je pense qu'on a beaucoup avancé au niveau européen depuis 2018, grâce au RGPD, parce que ça a permis à 450 millions d'Européens de prendre conscience
de prendre conscience de toutes les données qu'il lâchait et qu'il laissait un peu partout. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cliqué 50 fois sur j'accepte, j'accepte pas, etc., on se dit quand même, il y a quand même un sujet de captation de données. Rien n'est gratuit dans ce monde. Et sur des plateformes qui sont notamment basées sur l'économie de l'attention, c'est un vrai enjeu. Après, au-delà de ça, effectivement, faut faire extrêmement attention aux données qu'on manipule, parce que c'est de la donnée sensible quand vous avez effectivement des sujets de rémunération, des sujets effectivement de souhaits d'orientation ou de choses comme ça. C'est vrai que ça pose question et ça demande d'être extrêmement rigoureux. Et après, l'autre sujet, c'est un sujet de cybersécurité qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est-à-dire que aujourd'hui, les cyberattaques en 2021, elles ont augmenté de 13% par rapport à 2020. Donc ça, c'est très important. Une entreprise va subir 42 cyberattaques par an, là où elle a subissait 37 en 2020. En général, mais entre 6 et 9 mois à s'en apercevoir. Quand c'est une PME, dans un tiers des cas, elle ne s'en relève pas. Donc du coup, il y a un vrai enjeu là-dessus qui est très, très important, qui crée des emplois. Il y a des emplois qui se créent, vraiment de gros besoins dans la cybersécurité. Le président Macron vient de créer 1500 emplois grâce au plan de relance justement dans la cybersécurité. On manque de consultants et consultantes en cyber, on manque de ce que moi j'appelle les hackers éthiques, donc les white hats, les repentis. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités à les saisir là-dessus. Et je passe un petit message, beaucoup d'opportunités pour les femmes. La cybersécurité, c'est le secteur dans les emplois du numérique qui est le moins féminisé. On est en moyenne à 30% de femmes dans le numérique. C'est 25% dans la data science et dans la cyber, c'est péniblement 10%. Donc, mesdemoiselles, mesdames, orientez-vous là-dedans parce qu'il y a d'une part, il y a un boulevard et d'autre part, c'est vrai qu'on parlait encore de biais. Si on n'a que le même type de profil qui s'occupe des cyberattaques, on risque de passer à côté de 2-3 trucs. Et les sujets sont passionnants dans ces domaines, autant de la protection des données que du cyber. Et on parlait tout à l'heure de la création d'emplois, ben, typiquement. On est dans ce domaine-là. En gendarmerie, on a créé un commandement cyber pour la gendarmerie qui englobe aussi la sécurité de nos systèmes d'information par rapport à ces atteintes aux données à caractère personnel. Et on a nos fonctions de DPO, Data Protection Officer, ou de directeur de protection des données qui aussi se développent. On crée des équipes parce que là aussi, ce sont des enjeux qui sont fondamentaux. Alors, je vais peut-être terminer, parce que je vois que le temps avance, par une question et un concept que je crois que vous avez créé, peut-être pas le concept, mais en tout cas le terme, et vous avez modifié le concept, c'est le reverse mentorat qui apparaît dans votre ouvrage Emploi 4.0. Il s'agirait d'une double inversion du mentorat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Alors, pour la petite histoire, ce métier m'a été inspiré par le commandant Ludovic Poitou, qui était mon prof de groupe à l'école de guerre, c'est sur la transmission générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet, notamment dans les métiers du numérique, de barrière générationnelle. L'âge médian dans une entreprise technologique, c'est 31 ans. L'âge médian dans la population active, c'est 41 ans. Et en France, d'une manière générale, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, vous avez 57% des gens qui ont plus de 50 ans. Donc, on est en train de se dire que le secteur qui recrute le plus en France, il laisse de côté un peu les femmes, qui sont à 40%, il laisse de côté les déconnectés, il laisse de côté toute une génération. Moi, ça me pose un énorme problème. Et l'idée de ce mentorat doublement inversé, c'est justement de recréer du compagnonnage générationnel comme il peut y en avoir dans les armées. C'est-à-dire qu'on a vu dans les années 2000-2010 du reverse mentoring, c'est-à-dire quelqu'un de à l'aise en digital, jeune ou pas jeune d'ailleurs, qui mentorait quelqu'un de moins à l'aise avec le digital. L'idée du reverse mentoring, c'est de créer un pont entre quelqu'un d'expérimenté, qui connaît bien l'entreprise, qui connaît bien ses usages, qui connaît bien ses coutumes, qui connaît bien ses clients, et quelqu'un qui vient d'arriver. Ça se fait beaucoup dans les cabinets de conseil, où le jeune poulain est mentoré par un senior et où derrière, les brillants succès du jeune poulain vont rejaillir sur le collaborateur le plus expérimenté qui aura guidé ses pas dans l'entreprise. Et ça permet de recréer ce lien qui manque peut-être. Moi, je suis toujours un peu effarée quand je vais dans certaines startups où effectivement, il y a une telle rupture générationnelle que c'en est comique. Je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée là encore chez Facebook. Je joue au baby-foot avec un de mes collègues ingénieurs et on se met à parler de seniors. Ça, autour de la balle de baby-foot, et puis au bout d'un moment, je dis, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. C'est quoi pour toi un senior?
C'est quelqu'un de plus de 30 ans. Voilà, alors ça fait rire dans la salle. Moi, j'avais 39 ans à l'époque, je me suis mise en position latérale de sécurité. Mais la réponse n'était pas absurde. La réponse n'était pas du tout absurde. Dans une boîte où la moyenne d'âge à l'époque était de 27 ans et le dirigeant à l'époque avait 31 ans, ce n'était pas absurde de se dire qu'un senior, c'était quelqu'un de plus de 30 ans. Sauf que ce n'est pas la réalité de la population active. Et ça m'a fait toucher du doigt qu'on est tous la minorité visible de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, et cette minorité sur l'âge, elle est beaucoup tue, elle est beaucoup passée sous silence, c'est pour ça que l'un des livres blancs de l'Observatoire des métiers du futur s'appelle « Mission possible entre employabilité des plus de 50 ans », parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de pistes et beaucoup de choses à faire pour remettre dans l'emploi ces populations-là pour qui c'est parfois plus difficile au niveau du salariat. Donc c'est vrai que moi j'ai un message d'inclusion très fort que je passe là-dessus parce qu'il y a du boulot et donc ce fameux métier de mentor doublement inversé ou de reverse mentor, il sert à ça. Mais alors, je pense que votre camarade de Facebook s'apercevra que la trentaine arrive très vite et que vite il basculera du côté des seniors. Alors si vous en êtes d'accord, Isabelle, peut-être qu'on va passer à une séance de questions parce que l'objet effectivement de cette rencontre c'est échanger bien entendu entre nous mais surtout échanger avec vous. Présent ici ou bien avec vous qui êtes en distanciel, je crois qu'un certain nombre de questions sont arrivées. Merci beaucoup Patrick, merci Isabelle. Donc en effet, on a une question, je vais passer le micro à la personne. Bonjour, merci pour cette intervention. Ma question est la suivante, quel est selon vous l'impact des métaverses dont on parle de plus en plus sur le recrutement et sur les RH? Alors, merci beaucoup. Question compliquée. Déjà, peut-être repositionner ce qui est le métaverse et repositionner tout ce qui est l'économie de l'attention. C'est-à-dire que le métaverse est probablement une opportunité colossale pour l'entreprise Facebook aujourd'hui et surtout demain d'aller d'amener le pion à certains de ses concurrents, en l'occurrence à Google et à Amazon. C'est-à-dire en créant un monde virtuel, mais dans lequel il y aura du transactionnel, il y a une capacité à avoir une captation de données beaucoup plus forte et donc du coup de remettre un coup de booster à l'entreprise. Après, moi je suis toujours un petit peu réservée, on ne pourra pas l'éviter comme vous l'avez dit en introduction, effectivement on va vers ça. Après, je pense que c'est extrêmement important d'être conscient de ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier de la notion dans la salle, mais je crois que vous êtes tous familiers de ce petit geste qu'on fait quand on scrolle un écran et quand on reste longtemps sur une plateforme. Parce qu'en fait, dans l'économie de l'attention, concrètement, ce qu'on vend, c'est du temps passé pour pouvoir exposer les gens à la publicité. Et quand on n'est pas conscient de ça, ça peut poser des vrais problèmes. Je pense qu'il faut, au-delà de comment on va recruter dans le métavers, déjà se poser la question de à partir de quel âge on va aller dans le métavers. Quel est l'âge de notre majorité numérique? Est-ce qu'on a envie que nos enfants de 5 à 12 ans soient dans le métavers? Bon, je ne suis pas sûre que j'ai envie qu'ils y soient. Donc, il y a cette première chose-là. Après, en recrutement, c'est sûr que le fait de pouvoir faire des recrutements en visio, faire des recrutements à distance, se dire qu'on a un marché mondial des compétences, ça, c'est très utile. Mais je pense aussi que le recrutement, il passe par une interaction humaine. Moi, je suis toujours très gênée. Alors, en plus, je fais de la chasse de tête de dirigeant, mais je suis toujours très gênée quand je propose un profil à mes clients qui est une personne que je n'ai jamais rencontrée. Donc, s'imaginer que 100% des recrutements vont se faire dans le métavers et qu'après, on travaillera dans le métavers, moi, ça me pose un vrai sujet. Je ne sais pas quelle est vous, votre vision du truc. Je vais faire avec modération parce que je suis une ancienne collaboratrice Facebook, donc je vais être mesurée sur ce que j'en dis, mais je pense qu'il faut en tout cas être conscient des risques que ça représente au-delà des opportunités que ça peut avoir. Bon, c'est un domaine auquel on réfléchit. On réfléchit beaucoup parce que déjà on a un peu de recul. Hein. Facebook a annoncé Meta, enfin est devenu Meta, mais en réalité on a eu Second Life au début des années 2000 qui était déjà un espace virtuel. Alors pour nous, dans le domaine des ressources humaines, comment ça pourrait nous être utile? Je pense que ça peut nous être utile dans le domaine de la formation, la simulation de situations pour mieux former le personnel à des situations qui sont parfois difficiles à jouer dans le réel. Parce que ça pourrait les mettre en danger physique. Donc pourquoi pas passer par un métavers pour effectivement aller un peu plus loin, peut-être, dans des formations, voir ben, les boîtes actions qu'on emploie, s'ils sont pertinents, s'ils ne sont pas pertinents. Et puis, effectivement, de voir l'impact de nos boîtes actions sur des populations, des choses comme ça. C'est des enjeux qui peuvent être importants. Ça peut être intéressant aussi pour
mettre en situation par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le savoir-être. Parce qu'il y a parfois une distinction qui peut être un peu fine hein, entre le savoir-être, entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être. Et beaucoup de gens confondent le savoir-être avec ce qu'ils voudraient être. Et parfois, ça peut être intéressant de les mettre en situation pour voir si le savoir-faire il est évalué. On a des diplômes, on a des compétences, on a des choses qui sont assez structurées. Le savoir-être, c'est beaucoup plus flou. Et je crois que c'est intéressant peut-être d'exploiter le métavers, non pas pour évaluer au sens concours examen, mais plutôt pour permettre à la personne de voir si effectivement elle est comme elle le dit, ou elle souhaite être comme ça, mais elle n'est pas forcément. Et ça, je pense que ça peut être des mises en situation qui pourraient être intéressantes. Hein. Et le métavers nous permettra peut-être ça. Alors, peut-être des questions sur le chat ? Oui, tout à fait. Il y a des questions sur le chat et Camille va vous les relayer. Donc, vas-y, Camille. Oui, alors, en effet, on a une question de Fabien qui nous dit « L'IA peut-elle être un atout pour le manager devenu hybride ?» Vaste question. Alors, moi je n'aime pas trop le manager hybride. On a l'impression qu'on est déjà sur les hommes du unique, même si j'ai moi aussi employé ce terme. En fait, c'est le manager assisté, le manager augmenté. Et oui, on est convaincu, et même dans la sphère opérationnelle, qu'aujourd'hui, il faut intégrer l'IA, parce que l'IA nous donne un temps d'anticipation. L'IA nous donne une capacité à exploiter beaucoup plus de données que ce que peut faire l'humain. Mais il faut être capable d'appréhender cette décision de l'intelligence artificielle, et il faut être capable de lui dire non. Et c'est tout ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est l'IA va vous donner la solution la plus probable, le scénario le plus probable. Mais peut-être que vous, humain, dans votre position de décideur, vous avez des éléments de contexte, des éléments d'actualité que l'IA n'a pas intégrés, et puis vous avez votre intuition. Ça, l'IA ne l'aura jamais. Donc, je crois que la décision humaine, c'est tous ces éléments-là. Il y a une part très objective que peut apporter l'intelligence artificielle, il y a une part d'intuition, il y a une part d'éléments de contexte, et ça, c'est à l'humain de l'apporter. Donc, je crois qu'au niveau de la sphère décisionnelle, ce qui est important, c'est de bien permettre à nos décideurs de se rendre compte que ce n'est pas l'IA qui apportera la solution. L'IA, elle assistera l'humain dans la décision, et c'est pour ça qu'on parlait d'évolution des métiers, et je crois beaucoup à l'évolution aussi, effectivement, de la sphère managériale pour être en capacité de décider, assisté par l'IA. Et je crois que ça, l'IA remet aussi la caractéristique humaine plus haut, c'est-à-dire que l'humain doit maintenant s'intéresser à vraiment ce qui fait sa décision. Et je crois que c'est extrêmement intéressant d'être assisté potentiellement par ces outils-là. Je rebondis, je trouve votre réponse très pertinente et effectivement, je pense qu'il y a deux implications. C'est d'une part, ça veut dire qu'il faut former un maximum de personnes, de décideurs, de managers à ce que sait faire l'IA et ce qu'elle ne sait pas faire, parce qu'effectivement, ce n'est pas un outil magique, c'est du décisionnel, c'est du prévisionnel basé sur de très grandes quantités de données, et donc basé sur le passé. Et donc, quand on se retrouve avec ce qu'on appelle un signe noir, signe C-Y-N-E, c'est-à-dire un événement imprévu, improbable, extrêmement rare, l'IA n'est pas forcément très à l'aise avec ce genre de sujet. Donc, en fait, on a aussi besoin de gens qui sont capables d'anticiper des scénarios de crise, de préparer les entreprises, de préparer les équipes à des choses qui sont certes peut-être improbables, mais qui peuvent arriver et les rendre résilientes. Et on s'est aperçu en 2020 que ça pouvait manquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup pour votre réponse. En effet, alors, je me suis permise d'en poser une moi aussi parce que j'étais curieuse d'avoir votre avis sur les évolutions au sein de la fonction RH même et de son nouveau rôle avec l'arrivée de l'IA. Comment est-ce que ce métier en particulier évolue-t-il selon vous ? Comment le métier RH évolue, c'est ça ? Alors, on l'a un peu traité dans le débat, mais effectivement, il y a un côté gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences avec ce que le DRH ou le dirigeant va garder à l'intérieur de l'entreprise et ce qu'il va décider d'externaliser dans le cadre justement de cette évolution des métiers. Donc, il y a un rôle stratégique de gestion des compétences. Et après, je pense qu'il y a un rôle effectivement sur toute la partie coaching, prise de conscience positive de cette évolution des métiers qui nécessite de travailler sur l'employabilité tout au long de la vie et du coup d'accompagnement
rassurant pour que les gens se forment et se projettent dans le métier d'après. C'est-à-dire que quand on fait la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, on voit bien dans l'entreprise qu'il y a des métiers en tension et des métiers qui sont en décélération. Et l'idée, c'est de se dire, bah, un métier, c'est un portefeuille de compétences. Je propose à des gens qui sont dans un métier en décélération, un métier A, d'aller vers un métier B et de leur faire acquérir les quelques compétences qui leur manqueraient pour pouvoir avoir cette mobilité-là. Mobilité qui peut se faire à l'intérieur de l'entreprise ou qui peut se faire entre différentes entreprises. Il y a des plans qui sont faits notamment par le ministère du Travail et par Mme Elisabeth Borne qui sont extrêmement malins à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas la casse Pôle emploi entre les deux et qu'on puisse faire passer des gens d'entreprises qui décrutent vers des entreprises qui recrutent. Et là, là-dessus, il y a des opportunités. Je citerai notamment ce que fait le groupe de Richemont Multiservices qui forme des femmes et des hommes qui sont techniciennes de surface pour devenir aides-soignantes. Donc, ils ont un programme avec 40 personnes aujourd'hui qui sont rémunérées, qui sont formées pendant 18 mois sur un métier dont on a vu qu'il était terriblement en tension puisqu'on sait que notre système de santé aujourd'hui manque de gens. Donc il y a ces choses-là qui sont assez malines. Donc voilà, ça donne des opportunités. Et je souligne aussi un truc qui est assez bien fait. Une start-up qui a été créée par une femme qui s'appelle Karine Selnik, qui s'appelle Test un métier, et qui en fait permet aussi à des gens en entreprise d'avoir des visios avec le métier cible, des espèces de vie à vie en distanciel, parce qu'en plus, en ces temps de pandémie, c'est compliqué d'aller faire un stage ou de se rendre compte que le métier auquel on pense, peut-être qu'on n'est pas du tout fait pour, ou pour en être très envie, parce qu'avant de se lancer dans une démarche de reconversion qui déjà coûte de l'argent à l'entreprise, coûte du temps aux salariés, qui peut parfois prendre 12 mois, 18 mois, c'est quand même pas mal de se documenter. Et là, ce que permet de faire tester un métier, c'est justement de se documenter à l'échelle sur des métiers qu'envisageraient les gens dans des cadres de reconversion. On a effectivement évoqué un certain nombre de fonctions, on l'a dit, hein, sur le recrutement, sur l'expérience collaborateur, sur l'adaptation managériale. Et ce qui nous guide au niveau de la gendarmerie, en fait, c'est par l'intelligence artificielle d'être plus d'humains. Et pour chaque application, c'est la question qu'on se pose. Typiquement, j'évoquais le chatbot qu'on a mis en place, c'est de libérer du temps humain à notre gestionnaire RH pour qu'il accroisse sa relation humaine avec le personnel. C'est-à-dire que le personnel peut poser des questions 24 heures sur 24, des questions de routine, des questions qui sont dans nos textes, plutôt que notre gestionnaire aille chercher dans le texte les bonnes réponses, eh bien, le chatbot le fera, la machine le fera. En revanche, le gestionnaire pourra passer plus de temps à entretenir des relations directes, même si ça peut être en distanciel aujourd'hui, parce qu'on a des personnels sur toute la France et y compris outre-mer. Donc, des fois, le présentiel est un peu compliqué. Mais en tout cas, d'accroître cette relation humaine. Et c'est vraiment ce qui doit, je pense, guider la fonction RH, c'est toujours mettre plus d'humains assistés par des outils automatiques tels que l'intelligence artificielle. Tout à fait. Une vision pleine d'espoir, donc. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question de Peggy qui nous dit « Le sujet de la mixité dans les RH qui utilisent l'IA n'est-il pas déjà le sujet de la mixité dans l'IA ? Pour recruter plus de femmes dans le numérique, il sera nécessaire en premier lieu d'intégrer plus de femmes conceptrices d'IA. » Complètement en phase. Il y a effectivement un vrai sujet. Sujet de diversité, et c'est pas que le genre, hein. Donc effectivement on a parlé du genre, mais je tiens à souligner qu'il y a 5 types de diversité, les générations dont on a parlé, le handicap, l'orientation sexuelle et l'origine sociale et culturelle. Si on veut avoir des IA le moins biaisées possible, qui déploient des biais, le moins possible de biais à très grande échelle, on a effectivement besoin d'avoir des concepteurs et des conceptrices d'IA le plus divers possible. Et là, c'est un sujet d'orientation. Enfin, vous êtes plus spécialiste que moi, Patrick, là-dessus, mais globalement, il y a un sujet sur le fait que les femmes se mettent moins sur ces métiers du numérique, se forment moins à l'ingénierie, se forment moins aux mathématiques extrêmement avancées. Et donc, si vous en avez peu en début de cursus et en début de carrière, vous en aurez encore moins à l'arrivée à la fin. 56% des femmes dans le numérique abandonnent leur carrière en cours de route et changent de secteur. Donc déjà, il n'y en a pas beaucoup au départ et on les perd en route. Donc il y a des sujets d'inclusion qui sont très forts. Il y a des choses qui sont assez bien faites. Hein. Je vais citer 15 Tech, Caroline Ramad, qui aujourd'hui fait du recrutement et accompagne des entreprises justement à rééquilibrer leur parité et leur genre
dans leur processus de recrutement. Elle s'est fixée pour objectif parité à la tech en 2050. Et à ce que fait Social Builder et Emmanuel Larocque, qui forment des femmes éloignées de l'emploi au métier du numérique. Elle en a formé 55 000. Donc, il y a vraiment des initiatives qu'il faut souligner là-dessus, des initiatives de volume, des initiatives ambitieuses. Parce qu'effectivement, et aussi, il faut donner la... Il faut que les femmes puissent se reconnaître dans l'IA et dans ces métiers du numérique. C'est-à-dire qu'on a un peu tous oublié que le premier code, ça a été inventé par Ada Lovelace. C'est une femme. Et il y a pourtant très peu de rôle modèle féminin. Donc, il y a à la fois un sujet du rôle modèle, il y a un sujet d'orientation dès le départ, il y a un sujet de représentation aussi iconographique. Hein. C'est un truc tout bête, hein, mais vous tapez informaticienne dans Google Images, vous avez 50% de photos de garçons. Vous tapez informaticien, vous avez que des photos de garçons. Même ça, ça pose un sujet. Et je voudrais aussi souligner ce que fait Sophie Vigée à l'école 42, qui a eu une position très forte de féminisation, pas de parité quota décrétée. Hein. Ils avaient un vrai sujet, hein. Ils ont eu un scandale sur lequel on ne va pas revenir, mais au-delà de ça, quand Sophie est arrivée pour être directrice générale de l'école, il y avait 5% de femmes dans les promos. 5%. Et ce qu'elle a fait, la sélection à l'école 42, elle est totalement dépiaisée, c'est-à-dire qu'on ne garde pas votre diplôme, les études sont gratuites. Et elle a réservé des places de femmes dans la piscine, donc il y a en fait l'épreuve de code de 450 heures qui permet d'intégrer ensuite l'école 42. En fait, au début du remplissage de la piscine, il y avait 60% de places réservées aux femmes. Et au fur et à mesure du remplissage de la piscine, la barrière baissait, l'idée étant que la piscine soit pleine au démarrage de l'épreuve. Et le deuxième truc qu'elle a fait, c'est qu'elle a supprimé la limite d'âge. C'est-à-dire qu'avant, l'école était réservée à des gens de 18 à 30 ans, et on s'est rendu compte que les femmes venaient au métier numérique plus tard, souvent sur des reconversions, souvent après 45 ans. Donc en faisant ces deux trucs-là, elle a réussi à monter, ils sont quasiment à parité, ils sont à 45-50%. Ils ont eu une piscine qui a été très compliquée pendant le premier confinement, où là aussi, on a vu qu'il y avait eu du recul et que les femmes avaient arrêté de candidater. Mais voilà, ça donne des exemples de ce qu'il faut faire. En tout cas, il faut être volontariste. Moi, je ne suis pas forcément pour les quotas à très grande échelle, mais en tout cas pour l'équité et pour le fait d'orienter un maximum les gens, d'informer, d'essayer de faire les choses malines et à échelle, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup qui est fait déjà. Oui, je crois que c'est un sujet important. Je crois que c'est un sujet sur lequel on avance beaucoup. Aujourd'hui, on a parlé d'intelligence artificielle. Je peux vous dire que vous n'avez pas la vision de la salle. Je suis en large minorité sur le plan du genre. Au-delà de la présence, je crois que c'est un sujet qui est essentiel. Parce qu'effectivement, typiquement, le premier chatbot, les premiers GPS, quand vous les écoutez, c'était des voix publiques. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui les avaient conçus. Ils n'avaient pas voulu genrer leur chatbot ou leur GPS, mais ça leur venait naturellement. Aujourd'hui, je crois qu'on évolue là-dessus, c'est extrêmement important, ce qu'a souligné Isabelle est important aussi, c'est-à-dire que quand on tape un nom de profession, il ne s'agit pas que si on tape informaticienne, on ait effectivement une grande majorité d'hommes. Il faut, en termes de représentativité, c'est important qu'on ait une répartition des classes potentiellement, mais ça va au-delà des métiers de la tech et de l'intelligence artificielle. Hein. Elle va m'en vouloir, mais je suis très ma fille qui me disait l'autre jour, mais papa, je peux faire du football. Tu peux faire du football aussi, même si c'est des garçons qui jouent au foot dans sa cour de récréation. Mais l'important, je crois, c'est que les métiers soient le plus ouverts possible en fonction indépendamment des catégories dans lesquelles on est, hein, Isabelle a souligné, il n'y a pas que le genre, hein, l'accessibilité doit être la plus ouverte possible, qu'il n'y ait pas de frein. Et donc, pour qu'il n'y ait pas cela, je crois qu'il faut travailler sur la représentativité. Je ne suis pas sûr que mettre des quotas soit potentiellement la bonne solution, mais vraiment ouvrir à la représentativité, que chacun puisse s'identifier dans une fonction, si c'est de la tech, hein, qu'on étudie femmes, qu'on puisse se projeter effectivement dans la tech, mais on a heureusement dans le domaine de l'intelligence artificielle, hein, je peux citer Aurélie Jean, je peux citer Laurence de Villers, hein, on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont des porte-drapeaux sur ces sujets-là en matière de représentativité et en matière de larges compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tout à fait, ça fait avancer les choses. Je citerai aussi Isabelle Collet, qui est une chercheuse sur le genre, qui enseigne à Genève et qui aussi a beaucoup fait avancer sur ces sujets-là. Et pour rebondir, alors j'élargis un peu le sujet, mais moi je pense que ces emplois du futur, il y a l'IA, ces emplois 4.0, ils doivent être beaucoup plus inclusifs. Et il y a une forme d'inclusion dont on n'a pas parlé, c'est l'inclusion des déconnectés.
il y a 13 millions de personnes déconnectées en France. 7 millions qui sont dans des zones blanches, pas équipées, pas connectées, et 6 millions de gens qui ne sont pas à l'aise avec le digital. Pas à l'aise, ça veut dire je ne sais pas attacher ou détacher une pièce jointe de mon mail. Comment est-ce qu'on ramène ces gens-là vers l'emploi? Parce que plus on est déconnecté, plus on est menacé. Et c'est un vrai sujet. Il y a des choses qui sont faites, notamment par la Poste, qui a formé 100 facteurs à être justement accompagnant numérique de personnes en difficulté. Il y a des choses qui sont faites dans le cadre associatif par Emmaüs Connect, toujours avec la Poste. On repère les gens en difficulté avec la machine qui est dans le carnet timbre et on les envoie chez Emmaüs Connect. Et comment est-ce qu'on passe ça à l'échelle? Et je voulais raconter une anecdote dont j'ai un peu honte d'ailleurs, mais qui a du mérite. Un jour, je faisais un lifetime comme ça, avec une société qui s'appelle Open Classrooms, et j'avais le plaisir d'échanger avec le DRH de Disneyland Paris. Et il disait, voilà, j'ai 16 000 collaborateurs, dont 8 saisonniers, je les forme tous, ça, mais c'est génial, vous les formez tous en distanciel, ça doit être hyper efficace. Isabelle, j'ai 10% d'illettrés. J'ai 10% d'illettrés dans mes collaborateurs. Et effectivement, on l'oublie parfois parce qu'on est très qualifié, parce qu'on est très diplômé, parce qu'on vit dans des milieux urbains, pas forcément parisiens, mais urbains. On oublie qu'il y a des gens qu'on peut laisser sur le bord de la route. Et c'est extrêmement important, effectivement, d'avoir cette prise en compte-là et d'avoir ces programmes de formation à l'échelle qui, je pense, ne sont pas simplement de la responsabilité des entreprises et des employeurs. Parce qu'effectivement, sinon, on va recréer une fracture numérique en plus de la fracture du genre et la fracture des générations qu'on a déjà abordées dans ces temps. Merci beaucoup, Isabelle. Et Patrick, alors une dernière question peut-être avant de clore cette conférence qui est sur le recrutement. Elle nous vient de Lucie et elle nous demande jusqu'où peut-il être automatisé par l'IA, donc le recrutement. Y a-t-il des sujets, compétences, dimensions qui, selon vous, doivent rester entre les mains d'une personne humaine? Alors, j'ai une position assez tranchée sur la question. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet parce que moi, c'est une reconversion, comme vous l'aurez peut-être compris. Je faisais complètement autre chose avant. Je travaillais dans le milieu de la com et des médias. Et quand en 2017, j'ai décidé de me reconvertir dans le recrutement, qui plus est de créer ma boîte, je me suis dit, où est-ce que je me positionne pour être sûr que ce soit un métier non automatisable à terme? J'ai commencé à appliquer à moi-même ce qu'aujourd'hui, j'essaie de partager avec le plus grand nombre. Effectivement, on l'a dit, l'IA est un bon moyen de trier des CV, de hiérarchiser des candidatures, de hiérarchiser des compétences, mais ça peut être biaisé, on peut passer à côté de très bons CV, on peut passer à côté de profils atypiques, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à recréer certaines choses. Je pense que l'IA est très utile quand on a des gros volumes à gérer, et je pense que quand on est sur des postes un peu pointus, quand on est sur la chasse de dirigeants, le moins on en a, le mieux on se porte. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ce que je fais très concrètement, il y a des choses que j'automatise, j'ai un très gros LinkedIn. Oui, quand je fais de la chasse de tête, bien sûr que je croise des compétences et des opérateurs booléens. Après, je me refuse dans le CRM candidat que j'utilise dans le respect du RGPD de la CNIL à simplement me baser sur les compétences qui sont mentionnées sur les profils LinkedIn. Je pourrais les aspirer, c'est tout à fait possible, c'est des données qui sont en public. Je ne le fais pas et je préfère en fait qualifier moi-même la personne, c'est-à-dire que je fais un call avec et je note derrière ce que je pensais de ses compétences. Donc, je fais cet assessment-là. Et c'est vraiment une volonté de ma part. C'est-à-dire de se dire, je pense qu'on ne peut pas tout automatiser et que le recrutement est quelque chose d'évidemment humain. Notamment sur l'adéquation entre le futur manager et le futur manager. Sur l'adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Sur le savoir-être qu'on attend. Je ne suis pas sûre qu'un robot recruteur dans le métavers soit capable d'évaluer ça. Par contre, effectivement, quand vous avez 50 développeurs à recruter ou 1000 collaborateurs, 1000 agents pour la SNCF qui vont être sur les quais pour aider les gens en période de grand départ, si vous n'avez pas à un moment un robot qui trie les candidatures, vous n'allez pas vous sortir, c'est certain. Bon, contrairement à Isabelle, je ne suis pas un spécialiste du recrutement. Pour ma part, je pense que l'intelligence artificielle, de bout en bout, peut assurer le recrutement. Et ce serait une erreur fondamentale. Techniquement, ça peut se faire, mais ça n'a aucun sens. Le recrutement, c'est un acte essentiel, c'est-à-dire que ça positionne votre entreprise pour les années, les quelques années à venir. Et moi j'aime utiliser la formule. Pour moi, l'IA est utile, l'humain est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on passe toujours par un aspect humain. Enfin, je ne vois pas la gendarmerie
tout automatiser ce processus de recrutement, ça n'aurait aucun sens. Pour autant, ça a été souligné, l'IA peut assister, l'IA peut aider, et je crois que c'est en l'état qu'il faut l'utiliser, parce que déshumaniser cette fonction, c'est totalement, je pense, contraire au bon développement de l'entreprise. Et pour ceux qui ont eu à faire quelques recrutements, je parlais tout à l'heure de l'intuition, de sens commun. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut passer quand on échange humainement. C'est toujours plus intéressant en termes de d'informations recueillies au-delà de ce qui est prononcé que quand on échange avec une simple machine. Donc l'IA peut être utile, mais je crois que sur ces fonctions, l'humain, plus encore que sur d'autres fonctions, est à mon sens essentiel. Alors, si c'était la dernière question, je voudrais vraiment remercier Isabelle de cette aide à cet échange pour ce premier rendez-vous du groupe IA et RH. Elle nous fait le plaisir, pour vous qui êtes en présentiel, de nous offrir une séance de dédicace à l'issue de cette présentation. Et en distanciel, effectivement, comme l'a dit Camille, vous pourrez retrouver son ouvrage Emploi 4.0. Et voilà, il me reste à vous remercier les uns les autres, peut-être avant de passer la parole à Gaëlle et tout de suite à Isabelle. Merci beaucoup Patrick, merci Web. Je suis très contente d'avoir fait cette matinée avec vous ce matin. Donc, merci à tous, merci Gaëlle pour l'invitation, merci Camille. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup Isabelle Rouen, Patrick Perrotte pour cette animation de ce meet-up IA-RH, le premier meet-up du groupe de travail du Hub Francia. Je vous invite tous qui avez pu participer à ce rendez-vous IA-RH à surveillez les prochaines séances que nous aurons du même genre autour de notre groupe de travail RH. Donc, par la newsletter du Hub Francia, vous aurez des informations sur ces rendez-vous qui vont désormais être mensuels et où vous pourrez suivre les travaux de notre groupe. Nous allons certainement continuer de nous plonger régulièrement dans le livre d'Isabelle « Emploi 4.0 » que vous pouvez donc acquérir et que nous consultons déjà avec beaucoup d'attention tant il vient enrichir nos travaux. Nous observerons aussi son observatoire des métiers du futur et j'aurai aussi le plaisir donc de retrouver Patrick lors de notre toute prochaine réunion du GTRH. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt.